tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mes produits terminés. J'ai terminé pas mal de produits, donc je vais vous donner mon avis si je rachète ou pas, parce que du coup vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire ces vidéos là. Donc du coup je vous la fais volontiers. Donc du coup on va commencer. Donc en premier temps j'ai fini de la marque Herbal Bath, donc à l'eucalyptus. Ce produit là qu'on trouvait chez Action en 500 ml. Donc ceci je l'utilisais soit dans mon bain pour faire un peu des bains de vapeur pour avoir le menthol, ou je les faisais aussi au bain de pied et ça sent super bon. C'est pour moi, j'adore cette odeur de menthol. Mais ce produit là on ne le retrouve plus chez Action, mais ils en ont sorti un autre qui est à peu près la même on va dire qualité. Donc je vais tester l'autre et puis je vous en dirai par la suite dans les produits terminés. Mais ceux-là j'avais fait du stock, donc il m'en reste 3 encore en stock. Donc je vous dirai ça aussi encore dans les prochains produits terminés. Ensuite j'ai fini le DOP douche crème douceur d'enfance au parfum des rochers coco. C'est une tuerie. C'est une tuerie, il sent super bon. Et il sent même sur la peau, il sent encore sur la peau quand vous êtes lavé, etc. Ça sent encore sur la peau. Et il sent super bon, ça sent vraiment le rocher coco. Et c'est un 250 ml. J'en ai encore un en stock, mais vous pouvez aussi le trouver en supermarché, mais vous pouvez aussi le trouver chez Action. Donc si Action réouvre, vous pourrez le trouver. Donc du coup je le rachèterai sans souci. Ensuite j'ai fini de Kérastase Nutritive. Ça c'était ce qui me restait, il me restait un petit fond, donc je l'ai terminé. C'est un 100 ml et je crois que c'est une de mes tantes qui me l'avait donné. Donc c'est un top coat étincelant, cheveux secs et sensibilisés. Et c'est un produit que j'ai utilisé, il restait un fond, donc je l'ai fini. Mais l'odeur me... je crois que l'odeur me plaisait pas trop. Non, l'odeur me plaisait pas trop. Donc je l'utilisais comme démêlant. Mais je pense que ce produit-là, je ne le rachèterai pas. Ensuite, de chez Revlon Professionnel Escave, donc Instant Beauty, Instant Love. Donc c'est un soin démêlant hydronutritif en 9 ml. Donc ça, je crois que je l'ai eu dans un Bon Plan Magazine. Donc ce produit-là, et ce produit-là, je l'adore. Je l'adore, il sent bon, hein, mais celui-là, je l'adore. Et il me reste plus beaucoup de démêlants parce que du coup, je démêle vu la touffe que j'ai de cheveux et qui sont vachement longs maintenant. Et ce produit-là, je vous le conseille si vous aimez bien les soins démêlants. Bon, ça, c'est un tout petit tube, donc du coup, vous ne faites pas beaucoup de fois avec. Mais si je le retrouve en grand format, pourquoi pas l'acheter. Ensuite, j'ai fini de chez Chlorane un soin sans rinçage au lait de papyrus. Donc, c'est nutritif et lissant, cheveux secs et indiscipliné. C'est un 100 ml. Et ça, c'est une de mes tantes aussi qui me l'a donné. Et ce produit-là, je ne l'ai pas aimé du tout. Et rien que l'odeur, ça ne me plaisait pas non plus. Et pourtant, c'est un flacon pompe. Mais je ne l'aime pas du tout. Donc, ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'avais aussi dans le calendrier de l'Avent Spa, donc de Noël l'année dernière, la Luxury Fragrance Beauty. C'était un petit format de 30 ml. Donc celle-ci, donc la brume corporelle, j'ai pas aimé du tout. L'odeur, elle me donnait envie de vomir. C'est non. Et je pense que même en grand, c'était une édition limitée.
Donc, je la rachèterai pas. Ensuite, ma maman, elle a fini le déo Playboy, le Play It Wild en 150 ml. Cela, je vous les montre à chaque fois et elle le rachète à chaque fois. Parce que c'est des déos qui sont efficaces pour elle. Donc, elle les rachète à chaque fois. J'ai fini un démêlant de la marque Labelle. Donc, c'est le spray démêlant parfum fruits rouges anti-nœuds sans rinçage. Donc, c'était pour les enfants. Donc, du coup, celui-là, l'odeur, ça allait. Mais sans mes cheveux, pas du tout. Il sentait bon. Ça sentait le, un peu le médicament à la fraise qu'on prenait quand on était petit. Mais je pense que je ne le rachèterai pas. Je testerai d'autres, mais pas celui-là. Je jette aussi un mascara de chez Dior. Parce que je l'ai terminé. C'était le Dior Show New Look. En faisant du tri dans mes affaires. Il était fini et c'était une toute petite brosse comme ceci. Mais je le jette, il est terminé. J'ai un autre Dior en ce moment. Puis bah, j'ai les petits formats aussi de chez Dior. Donc vous aurez aussi mon avis sur les autres mascaras dans les autres produits terminés. Ensuite, elle a fini un déo Ulrich de Varins. C'était le Je t'aime en 125 ml. Je l'avais eu chez Nose pour 1 euro. Donc elle l'a terminé. Niveau odeur, il sentait bon. Mais je pense que si on le retrouve, on ne le rachètera pas. Ensuite, j'ai fini un shampoing sec de chez Action. Donc celui-là, mais on ne le retrouve plus. Donc je suis un peu dégoûtée, mais je crois que j'avais fait le stock. Et il sentait super bon. Il ressemblait un peu comme les Baptiste. Et niveau efficacité, il était top. Donc je crois que j'ai encore un en stock. Donc je vais aussi... l'utiliser continuer et puis je vais utiliser. En fait je jongle entre cela et les Baptiste, mais celui-là il est top. On le retrouve plus chez Action. Ensuite, je crois qu'on m'avait offert de chez Sephora, parce que cela je les ai jamais achetés. C'était le réveil matin en 150 ml. Niveau odeur, ça allait. Ça sentait beaucoup les agrumes. Celui-là, on me l'avait offert, donc voilà. À racheter, peut-être, mais peut-être une autre gamme. Peut-être d'autres senteurs ou celui-là pour tester d'autres choses. J'ai terminé de chez Sephora, donc petit format. Donc ça, je crois que je l'avais dans une soirée gold. C'est un produit en 25 ml. C'était le super démaquillant yeux waterproof. Donc celui-ci et celui-ci, c'est mon démaquillant fétiche. Je le rachète tout le temps, donc je le rachèterai. J'ai fini un Dove en bi. J'aime pas les déos bi. Là, c'était le Natural Touch, donc c'était en anti-tache, anti-transpirant, et c'était la pierre d'Alain. Et j'aime pas du tout. Donc du coup je ne le rachèterai pas. Je crois que je l'avais eu dans un lince-soie. J'ai fini de chez Nivea un anti-transpirant black et white invisible. Donc celui-ci je l'avais acheté je ne sais plus où en 35 ml. Je crois que c'est à Casino et c'était le déo qui était dans mon sac. Et je l'adore et il est super pratique. Donc je rachèterai si je le retrouve. Ensuite, j'ai un lait hydratant sous la douche, donc de chez Marionneau, en 50 ml, donc que j'ai eu dans une Marionneau box. Ce produit-là, en fait, je pense qu'au début, quand je l'utilisais, ça allait. Et après, ensuite, en fait, il a tourné. Donc, du coup, j'ai essayé de le terminer, mais j'ai eu des plaques, donc j'ai stoppé.
et il m'en reste encore un en stock, donc je vais l'utiliser et j'essaierai de l'utiliser très rapidement. Mais ce produit, si vous le trouvez chez Marionneau, je vous le recommande. Ensuite, on a fini de Fab Air en 1000 ml, donc en 1 litre. C'est un shampoing qu'on avait acheté, je crois, chez Action. Du coup, je pense qu'on ne le rachètera pas parce que c'est des grands formats. Je pense qu'on ne rachètera pas. Donc, mais il est très très bien. Ma maman a fini le Comme une évidence que Meryl lui avait offert. Elle l'adore. Donc Meryl, je te remercie beaucoup. Il sent bon et tout. Donc merci beaucoup Meryl pour ce parfum que tu as offert à ma maman. Je vais prendre le sac ici, ce sera peut-être plus facile. Ensuite, alors, j'ai fini un bain dissolvant de la marque Yes Love en 45 ml. C'était au blueberry. Mais en fait, l'éponge, c'est tout dépiauté. Donc, du coup, ça ne sert plus rien. Donc, je le mets à la poubelle et je ne vous le recommande pas du tout. J'ai terminé le shampoing soin Nutri Réparateur cheveux très secs et abîmés à l'huile de jojoba de chez Yves Rocher en 50 ml. Donc j'avais plein de petits formats comme ça de shampoing et ils sont super bons celui-là. J'ai plein de petits formats de shampoing donc que j'utilise on va dire petit à petit, mais celui-là si je le trouve en grand chez Yves Rocher, je pense que je le rachèterai. Il me reste un tout petit comme ça. Donc du coup je pense que je vais l'utiliser d'ici peu parce que je jongle entre deux shampoings. Donc si je le retrouve chez Yves Rocher en grand, je le reprendrai. Ensuite ma maman elle a fini que j'avais trouvé à 2 € les parfums Evoluderm. Donc c'est le shampoing illuminateur brillance pour les cheveux ternes à la soie. C'est un shampoing qui sent super bon. Il sent super bon, j'en avais acheté 3. Donc je lui ai donné les 3 et elle l'adore, donc elle l'utilise encore. Donc on rachètera si on les retrouve. J'ai terminé de Make Up Forever en 2,5 ml un petit mascara. Hop, qui était comme ceci le packaging et la brosse, elle était comme ça. Je ne l'ai pas trop aimé, donc je pense que même en grand format, je ne le rachèterai pas. Et il coûte un peu cher, donc voilà. Ensuite, de la marque Alvira, les Skin Essentiels. Il y avait 36, donc c'était des anti-spot patch. Au départ, ça allait, et après, par la suite, j'ai détesté en fait. Donc du coup je rachèterai pas. Donc vous pouvez trouver ces produits là chez Action. Ensuite vu qu'on est dans la période, j'ai fini de la marque Assassani Pocket. Donc tu as un gel antibactérien pour les mains. Donc comme ceci en 20 ml. C'était le gel antibactérien qui était dans mon sac. Et j'en ai un autre comme ça dans mon sac aussi. Et il sentait super bon aussi sur les mains. Et je crois que je les avais achetés en pharmacie, donc ça je rachèterai évidemment comme d'habitude. On continue donc Bubble en Bubble, donc le bébé air dresseur. Du coup ça je l'utilisais aussi comme démêlant et ce produit là, mais ce produit là il sent super bon. Et si je le retrouve en grand format ou en petit format comme ceci, je rachèterai évidemment parce que c'est un produit coup de cœur. J'ai terminé de chez Yves Rocher, donc framboise menthe poivrée en 50 ml, un petit bain douche comme ceci. Je crois que je l'avais en cadeau avec Yves Rocher. Et l'odeur, mais j'adore. J'adore. Et si vous le retrouvez chez Yves Rocher, n'hésitez pas à le prendre, c'est une tuerie. J'ai terminé une eau parfumée pêche et cassis que j'ai trouvé chez Nose. Et en ce moment, je suis en train d'utiliser la même.
que ma chérinette Sabine m'avait offert. Donc du coup je l'avais en deux fois. Mais cette baume là en 75 ml, mais je l'adore. Elle sent super bon. Donc si vous la trouvez, c'était de la marque Eau des Alpes. Si vous voulez trouver à Nose, mais n'hésitez pas à le prendre, ça sent super bon. J'adore. Si j'en retrouverai, j'en rachèterai par la suite. J'ai terminé de Mixa Baby, donc les soft et crème. Donc c'était des lingettes que j'avais mis dans mon sac à main. C'est des lingettes que j'utilisais pour les mains et autres. Donc il y avait 7 lingettes dedans. J'ai tout le temps un petit paquet de lingettes, que ce soit pas spécialement de cette marque là. Donc toutefois, si je les retrouve, peut-être je les rachèterai. Donc à voir. J'ai terminé de la marque Biphase 25 lingettes démaquillantes micellaires, comme ceci. Donc celle-là, je ne rachèterai pas du tout. J'ai pas aimé. Je les avais dans un bon plan magazine, mais j'aime pas du tout. Donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé le petit Marseillais. Donc c'est le shampoing hydratation sans silicone pour cheveux déshydratés, eau de coco et fleur d'oranger. C'est mon shampoing fétiche. Je le rachète tout le temps. Là, j'en ai un dans ma salle de bain. Je l'adore. Et je l'ai même conseillé à ma copine Karine, qui l'utilise aussi en ce moment. Et elle l'aime bien aussi. Donc, je suis contente de vous faire découvrir des choses. Mais ce shampoing-là, je l'adore et je vous le conseille. Donc, je rachèterai évidemment. Ensuite, j'avais trouvé de Barbara Gould à Nose. C'était 10 lingettes démaquillantes comme ceci. Donc, c'était des lingettes aussi que je mettais dans ma trousse, dans mon sac à main. C'est des lingettes que je rachète régulièrement, mais pas spécialement de cette marque-là. Un autre paquet de lingettes, donc là c'était de la marque Inel, donc de chez Leclerc. C'est des lingettes à bas prix que je rachète tout le temps, et je rachète tout le temps celles-là parce que du coup je les aime bien. Ils sont pas trop imbibés et tout, et ils sont nickel pour un démaquillage rapide et tout. Ensuite, j'ai terminé de chez Action. C'était les cotons-tiges démaquillants, là, au cas où qu'on faisait un petit raté ou autre sur l'œil. Ça servait à ça, mais je ne les ai pas aimés du tout. Je préfère les cotons-tiges qui ne sont pas imbibés comme ceux-là, comme ceux de chez Sephora, Marnuno ou autre. Mais ceux-là, je ne rachèterai pas. J'ai terminé des papiers de toilette humides de chez Lotus. Donc je les mets dans mes toilettes, ça sert toujours, ça évite d'avoir par exemple de lingettes intimes ou autre. Mais ceux-là, je les rachète tout le temps et je les recommande. Encore un paquet de lingettes, là c'est de la marque Diadermine, peau sèche et sensible. Ça j'avais trouvé, je crois, au promo Leclerc. Mais ceux-là, je ne les rachèterai pas non plus. J'aime pas du tout. J'ai terminé de chez L'Oréal Paris LCF Color Vif shampoing soin. C'était pour cheveux colorés et méchés. Donc ça, c'est un de mes chouchous aussi. C'est un 250 ml. Et l'odeur, j'adore. Et puis, bah, je les rachète tout le temps. Donc, c'est un de mes coups de cœur aussi. J'ai terminé de chez Christina Aguilera, donc le gel douche embellissant en 150 ml qu'on trouve chez Action. Donc si je le retrouve, je le rachèterai parce qu'il sent super bon. Et quand vous vous douchez et que vous sortez de la douche, que vous essuyez, l'odeur reste. Et j'ai aussi le lait pour le corps qui va avec. Le lait pour le corps, je ne l'ai pas utilisé encore. Et si je le retrouve celui-là, je le rachèterai quand même. J'ai terminé de chez Yves Rocher des cotons démaquillants 100% coton. Il y en avait 80. Je les ai terminés, mais ceux-là, je vous les conseille hein, si vous faites encore avec des cotons démaquillants. Mais ça, je ne rachèterai pas. Il y a un autre parfum
de chez Yves Rocher. J'ai terminé un gel douche et shampoing aux algues de Bornetia et aux extraits de Guarana, donc qui était de chez Campanile. Donc j'ai retrouvé un petit format comme ça de gel douche de chez Campanile dans mes affaires. J'ai pas niveau odeur, ça sent le savon. Donc ça c'était un petit testeur. Donc je ne rachèterai pas parce que du coup ça se trouve que dans les hôtels. Donc ça je rachèterai pas. On a terminé de chez Inel des bâtonnets Watt, des tiges papier biodégradables. 100% coton, il y en avait 160, hein, c'est des cotons-tiges. Hein. On va pas épiloguer là-dessus. J'ai terminé aussi une base coiffante démêlant de la marque Tribar en 17 ml, donc c'est Prep Rally, comme ceci. Donc je pense que c'est un produit que j'ai eu dans une box. Et l'odeur, j'aimais pas l'odeur, donc celui-là, c'est un flop, je ne rachèterai pas. Je jette de chez Wapa un eyeliner comme ceci, parce qu'en fait, il est tout sec. La pointe, voilà. C'est tout sec, donc c'est tout vert. Voilà. J'ai terminé, ça j'ai eu dans la Marino Box, c'est de chez Lirac, donc c'est lait micellaire, donc c'est des maquillages anti-pollution, de nettoyage micro-lissant, donc visage et yeux, toute peau, sans rinçage en 30 ml. Et ce produit-là, je l'ai adoré et il sentait super bon. Ça sentait le lait de bébé, donc si j'arrive à me le retrouver en grand, je le prendrai sans souci, mais j'ai adoré ce produit-là et je suis dégoûtée de ne plus en avoir. Un autre déo comme tout à l'heure. Ça, c'est le mien. J'ai fini de Shoya, donc Bahia do Brésil. C'était argile absorbante et parfum de maracuja, anti-trace sans alcool. Ce déo-là, mais je l'ai adoré. Donc si je retourne en magasin ou peut-être à Action, j'essaierai de le retrouver. Mais c'est un déo que je vous conseille. Je l'adore et l'odeur reste. Et en fait, même avec ça, il n'y a pas de traces. Et on ne transpire pas en fait. On n'est pas moite ou mouillé ou autre. Et ce déo-là, je l'adore. Donc je le rachèterai sans souci. Je jette un gel eyeliner de Laetitia Well. Donc je pense que j'avais acheté chez Nose, mais il est tout sec, tout sec, un violet, mais il va à la poubelle, il est tout sec. J'ai terminé de Guess Bar Marciano, une eau de parfum spray en 100 ml. Celui-là, je pense que je le rachèterai, j'ai déjà mis dans ma wishlist. Il sentait super bon, c'est une odeur. J'ai beau avoir beaucoup de parfums, mais en fait, je les rachète quand j'ai un coup de cœur sur des parfums, je les rachète ou je les mets dans ma wishlist. Donc, du coup, le parfum Guess. Mélanie Luna, si tu passes par là, ma petite Mélanie, dis-moi si tu veux que je te garde la bouteille pour ta maman, pour sa collection ou pas. Et autrement, je te le mettrai de côté sans souci. Et les parfums Guess, ils sont super top. J'ai fini de chez Sephora des cotons-tiges spécial make-up. Vu qu'on en a parlé tout à l'heure, il y avait 30 cotons-tiges. Et ça, je le rachète tout le temps. Donc ça, je vous les conseille. J'ai fini de chez Makeup Forever le Smoky Extravagant. Donc, comme ceci. Hop. Et la brosse était comme ceci. Mais il est devenu tout sec. Donc, tout bête. Et je ne rachèterai pas, je pense. Ma maman, elle a fini le parfum Night Woman. Je pense que je l'avais trouvé à Nose. Oui, c'est ça. C'était une body fragrance déodorante pure en 75 ml. Donc ça, c'était pour tester. Donc je pense qu'on ne le rachètera pas. Il me reste quelques petites choses et on aura fini.
Hein. Je regarde dans mon sac. Hop, c'est bon. Il me reste. J'ai testé aussi de sensitive végétale de chez Yves Rocher. Une eau micellaire apaisante 2 en 1. Elle était en 50 ml. Ce produit-là, je ne le rachèterai pas en fait. Même en grand, j'ai pas aimé. C'est l'odeur qui me gênait. Donc celui-là, non, je ne rachèterai pas. Un autre eyeliner de Wapa. La pointe, c'est tout sec. C'est tout sec, il ne fait plus rien. C'est tout sec, donc c'est poubelle. J'ai fini mon super liner de chez L'Oréal Ultra Précision. C'était le Black Diamantissime. Mais voilà, il est vachement terminé. Il ne fait plus de traits, donc il est vide. Celui-là, je crois que c'est ma tante, une de mes tantes qui me l'avait donné. Donc du coup, je le mets à la poubelle parce qu'il est terminé. Et pour terminer avec les produits terminés, de Schwarzkopf Gliss, à la kératine liquide Ultimate Repair. Donc c'est un masque SOS. Donc du coup, on peut l'utiliser plusieurs fois. Ses cheveux extrêmement abîmés et secs. Donc ce produit-là, c'est un 20 ml. Moi, je le mets que sur les... je ne mets pas sur les racines, mais que sur les pointes. Et ça les nourrit et ça me les rend tout doux et tout après. Faut laisser une minute sur les cheveux, mais ce produit là je l'avais trouvé je crois chez Noz et ou chez Leclerc, mais ils ne le font plus. Mais j'ai retrouvé chez Stokomani qui les faisait pour 1 euro pièce, ces petites choses. Et ça je rachète automatiquement et j'en ai encore dans mon salle de bain. Et j'en ai aussi racheté chez Stokomani. Donc ça, je vous le recommande aussi. Donc voilà pour ma vidéo produit fini. J'espère que je n'ai pas été trop vite. On est bientôt aux 1700 abonnés. Donc je vais bientôt lancer le concours quand on sera 1700 abonnés. On est presque. Hein, donc je vous remercie beaucoup d'être sur ma chaîne et de me suivre. N'hésitez pas à me mettre des petits likes. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!